Avenue du Général de Gaulle, et j'éprouve un certain malaise. Je viens de m'apercevoir de ça. Il suffit quasiment de traverser la rue, donc d'avancer de quelques mètres sur le passage piéton. Merci de m'avoir laissé passer. Et on arrive au boulevard Louis-Jean Malvy, donc il se succède au Général de Gaulle et Louis-Jean Malvy, hein, avenue l'autre, le boulevard. Voilà, on ne dit rien sur le parcours de monsieur Louis-Jean Malvy, mais être dans cette rue me crée un petit malaise, pas vous? C'est l'humour d'Emmanuel Macron. Pourquoi avoir choisi Souillac comme point de rendez-vous avec 600 maires pour son musée des marionnettes? Certains disent de l'automate, mais en cette saison, même les gilets jaunes évitent le lancement de tomates et tout ce qui commence par auto inquiète désormais. Aucune indiscrétion pour Mon Cuc TV sur la présence ou non du maire de notre commune. Il s'imagine peut-être déjà sur la scène du Zénith de Souillac pour expliquer sa vision de la démocratie, telle que sa première adjointe préférée exposa le 12 août après ne pas avoir remercié de leur venue ni salué monsieur le sous-préfet et madame la députée, qui eux, n'en doutons pas, seront présents à Souillac, alors que monsieur le député sera peut-être retenu dans sa commune. Je n'y serai pas, ce ne sera donc pas à Souillac le lancement de mon mouvement, de mon parti, la France harmonieuse, qui se veut également une réponse aux égarés dans l'impasse de la colère. Ce ne sera pas à Souillac ce vendredi 13, et non, c'est même pas un vendredi 13, c'est un vendredi 18, personne ne peut être parfait. Je n'ai pas été invité quand il s'agissait de ruralité avec le gouvernement à Cahors, et comme vous le savez, ce n'est pas moi, le maire de Mon Cuc Encubé. C'est monsieur Labarde qui a réussi à faire ressortir les poils de mon cuc. Vive les poils et vive la France harmonieuse. Si, si, c'est peut-être possible. Enfin, si vous êtes dans cette optique, rendez-vous sur cette chaîne YouTube. Gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poils, les célèbres poils de Mon Cuc, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est la, quand il y a une majorité, bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez d'une façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, ce n'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Et puis il y a le challenge Saint-Mathré. Nous allons devoir travailler très vite sur l'organisation de la nouvelle commune. Ouais. Dommage, je ne suis pas à cette époque.